Bonjour à tous, c'est Sophie, votre coach élancien. J'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour un cours de step débutant. Voilà, on va privilégier aujourd'hui le cardio et la facilité pour que vous puissiez réaliser chez vous. Vous n'avez pas de step, on ne change pas, on s'en va pas sur un autre Facebook. Vous pouvez le faire sans step, ok? Ça marche tout à fait pareil. Après, si vous avez bricolé quelque chose, une petite marche ou quoi que ce soit pendant ce confinement, n'hésitez surtout pas à vous munir de votre petit outil fait maison. Allez, je vous fais patienter un petit peu, on va attendre que tout le monde se connecte. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le beau temps a l'air d'être pour nous un petit peu cette semaine. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les régions, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi pendant tout le cours à participer avec des pouces et des petits cœurs. C'est important, ça me permet de voir un minimum si du coup ça se passe bien. Bon, c'est une grande nouveauté, hein. On n'a jamais fait de live step, voilà, parce que du coup c'est un outil effectivement que vous ne pouvez pas forcément tous avoir chez vous, mais comme je vous dis, vous pouvez le faire sans le step, ok? Ça s'appelle de l'aérobic, c'est exactement la même façon, sauf que du coup l'impact cardio sera un petit peu moins intense, mais vous allez quand même travailler votre condition physique, donc quoi qu'il arrive, le but ça va être de bouger, et vous allez pouvoir améliorer un petit peu les intensités, ok? Ça sera à vous de le faire en fonction de votre niveau et de ce que vous savez faire. Ce cours sera disponible aussi directement après les cours en replay. Si vous n'avez pas le temps de le faire, vous n'hésitez pas à le visionner directement sur ce Facebook ou tout simplement sur notre chaîne YouTube Élancien France. Allez, on commence à prendre une petite bouteille d'eau. Bonjour à tous, pour tous ceux qui nous rejoignent, je me représente, je suis Sophie, coach élancien sur Angoulême, d'accord? Ce matin, on va faire un cours de step débutant, voilà, accessible à tous, avec ou sans step, vous pouvez faire le cours, ça s'appelle de l'aérobie si vous n'avez pas de step, donc du coup, aucun souci, ok? Allez, je vous laisse vous mettre en place, on va commencer vraiment d'ici peu de temps, quelques secondes maintenant. On va juste faire un petit test musique juste avant parce que du coup on a rajouté le micro cette semaine pour aussi avoir une meilleure visibilité, enfin surtout un meilleur son chez vous, puissiez bien m'entendre. Ok, allez, je vais faire la musique, on teste ensemble, vous n'hésitez pas à mettre des pouces et des petits cœurs si vous suivez le cours. Le plus important pour rester sur un step, c'est tout simplement
de bien poser votre pied en entier. C'est bon pour le saut? Super. On monte le genou. Voilà, super facile. Ce qu'on n'oublie pas en fait, c'est toujours la posture. On ferme les abdominaux. C'est très bien. Ok. C'est un peu trop facile, je trouve, hein. Allez, on en fait trois genoux. 3, 2, 1. Et on change encore. 3, 2, 1. Encore, encore. Ok, pas d'impulsion, pas d'impulsion, hein. On y va tranquille. C'est super. Ok, ici les pieds alternés. On tend la jambe, mais on ne plaque pas le genou, hein. On pose entièrement le pied sur le step et on contrôle son mouvement. Super. Encore, continuez. C'est super. Allez, on garde le sourire. On pense à bien souffler, toujours à bien serrer les abdos. Ok, 3 kicks. 3, 2, 1. Et on change. 3, 2, 1. Petite amplitude, hein. Voilà. Après, si vous sentez super en forme, n'hésitez pas à monter la jambe. Hein. Pas trop quand même. Évitez de vous blesser. Allez, encore. Toujours le pied en entier sur le step. Je sais qu'on oublie très très vite. On attaque bien avec le talon. Ok, bien sur le step. Tu cours. Et tu descends. Tu cours et tu descends. Ça s'appelle un basic run. Ok? Ça, c'est bon pour tout le monde. On est toujours à l'échauffement. On reprend les trois genoux. Allez, trois genoux. 3, 2, 1. Et tu peux courir. Yes. On reste en course. C'est très bien. Soufflez bien. On reprend trois genoux. 3, 2, 1. Et tu cours. Allez, on commence à se réchauffer un petit peu. Encore, encore. Continuez. Le dernier. On reprend trois genoux. 3, 2, 1. Et tu reprends, tu cours. Ah, ça fait du bien. Encore. Trois genoux ensemble. Hey. Super. Et là, tu ouvres. On ouvre le chaque côté du step. On travaille un peu plus sur les amplitudes. Encore. 4, 3. Super bien. On va faire un kick et on rajoute deux basiques.
devant et on descend. Vous avez vu? Vous passez et un kick. Impeccable, deux basiques. Voilà. Et on fait bien attention de venir poser les pieds en entier sur les têtes. Impeccable, gardez le rythme. Le kick. Le basique, venez avec moi. Allez, on ne s'arrête pas surtout. On va garder le pied. Prenez le rythme. Devant. Impeccable, on n'oublie pas, on tape les abdos. Allez, encore. Kick. Et le basique. Hey. Encore. C'est très très bien. Allez. J'espère que ça se passe bien derrière votre écran. Encore. Kick. Ok, tu montes, tu marches, tu redescends et tu marches avec moi. Tu montes, tu marches, tu redescends et tu marches. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, oui. Ok, on marche ensemble. Tu montes, montes, 1 et 2, tu descends. 1 et 2, tu montes. 1 et 2, tu descends. 1 et 2, tu montes. Yes, c'est ça. On ne perd pas le pied, on récupère. Encore, à vous de jouer. 1 et 2. Allez, remonte. Ok, ça, ça va? Encore, encore. On va pouvoir faire un kick. Et la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, je ne change rien. Ok? Kick. Hop. Tu montes. Juste le basique. Restez en basique. Restez. Restez. Revenez vers moi. Je sens que ça commence à être un peu compliqué. Allez. Donc, on continue. On reprend les marchés, ok? Tu montes, tu marches deux. Un. Et deux, tu descends. Un. Et deux, tout facile. Un. Et deux, tu descends. Un. Et deux. Hop. C'est super. Encore. Ok, ça, ça va. Je préfère passer plus de temps au début. Vous prenez le rythme. Vous vous habituez à moi et à la chorégraphie. Et après, on pourra avancer plus vite, ok? Tu montes. Hop. Tu descends. Ok. On refait la même chose. Avec un kick, on change. Kick. Tu montes. Oh là là. Un twist. Tu descends. Et le jack. Et tu marches. On va monter. Monte. Twist. Tu descends. Et le jack. Et tu marches. On enchaîne ensemble. 7 et 8. Go. Monte. Twist. Descends. Et jack. Yes. Monte. Twist. Descends. Et jack. Allez, je sais que ça fonctionne bien. Je vois vos petits cœurs, vos petites mains. Encore. Ça fait. Monte. Twist. Descends. Jack. Monte. Twist. Descends. Et jack. Yes. Est-ce que ça va? On enchaîne une dernière fois et on fait un kick. C'est parti, kick. Et on remonte basique. Ouh. On récupère, ça va? Personne n'est à 3 de magie, c'est bon? Ok. Alors, on reprend. Je monte le twist avec le jack. C'est parti. Monte, monte, tu twist. Tu descends. Tu jack. Hey, monte. Ouh. Ouh. Ok, super. Hey. C'est très bien. Encore. Allez. Top. C'est super ce que vous faites. Ok, après on verra pour les styles. Hein. Pour l'instant, faites ce que vous voulez. Hein. Ok. Ok, top. Hey. Montez top, c'est super. Donc maintenant, on a vu déjà 4 pas. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse les mettre ensemble. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? 4, 3, 2, kick, go. Hop, le twist. Tu montes, tu twist, tu descends, tu jack. Hop, et le kick. Et on enchaîne. Monte, tu twist, descends, et jack. Hop, kick. On enchaîne, on enchaîne. Vous maîtrisez, c'est super. Hey, gardez le rythme, vous sentez, ça monte d'un coup, hein. Mais oui, je le savais. Vous êtes les transpirés. Je me trompe rarement, hein. J'aime bien vous faire souffrir. Alors on continue. Monte, tu twist, tu descends, tu jack. Hey, kick. Super. Encore. Yes. Le dernier. Impeccable. Top up. Bon, ok, hein. Pour l'instant, le style, la technique, on s'en fiche. Pour l'instant, le principal, c'est que vous et moi, on puisse faire les mouvements en même temps. Je vais quand même rajouter un petit peu. Ensuite, un petit bout de chorégraphie. Ok? Pour l'instant, on enchaîne. Le kick. Le twist.
le jack et le kick. Ok? 7 et 8, c'est parti. Kick. Hep, petit twist. Hop. Yes. Hep, le impact. Et la basique, 2 fois. Boum. À moi. Et la tape. Je vais rajouter un petit peu. Go. Le kick. Hep. Twist. Hep. Tu descends. Et le kick. Et deux basiques, deux basiques. Encore un. Super, top up. On enchaîne, on continue cet enchaînement. Il est un petit peu moins soutenu, mais du coup, ça vous permet de récupérer. Hep, le kick, deux basiques, plus qu'un. Et top up. On enchaîne. Encore. Je dis plus rien. Yes. C'est très très bien.
pour essayer tout ensemble. Est-ce que vous pouvez attendre un tout petit peu avant d'aller voir? Je suis sûr que oui. Ok, ça peut, récupérez tous les liens. Ça va pour tout le monde? Impeccable. On y va ensemble, 4, 3, 2, le kick twist. Hey, tu montes, tam, tam, plus. Tu descends, le jack, le kick, vas-y, crawl. Tu bloques, et le mambo chasse. Mambo, tu chasses, et on repart. Hey, c'est très bien, le twist. Hey, yes. Cours, tu bloques. Mambo. Plus de technique. Hep, le kick, tu cours, tu bloques. Hep, mambo. Yes. Encore, encore. Hep, boum. C'est très bien. Super. Hep. On court, tu bloques. Super. Mambo, tu chasses et tu reviens un peu. Super. Ok, je vous propose d'aller faire une petite pause hydratation et on reprend ça ensuite, ok? Allez, les voir. Ça va? Marchez un peu si vous avez besoin. On y va ensemble? Non, je vais. Hein? Il est où mon step? Non, non, tranquillement derrière, marchez avec moi. Si ça va, n'hésitez pas à mettre des cœurs et des pouces. Parce que forcément, quand vous êtes sur votre step pendant le cours, vous ne pouvez pas le faire. Et quand on est en pause, c'est le moment où j'arrive de me dire ouh, j'y arrive pas. Ou top, super, je suis trop forte, j'arrive enfin à faire du step. Ok? C'est vous qui choisissez. On reprend tranquillement devant le step. De chaque côté. Oui, je récupère tout le monde. Vous avez essuyé la tête avec la serviette et on tire bien sûr un peu longtemps. Sinon, ça ne suit pas bien. Ok? On y va ensemble, top up, go! Montez 4. J'espère que vous rigolez un peu avec moi, sinon, c'est à dire que je rigole toute seule. Ça, c'est moins drôle. Hein. Ok! Genoux alternés. On va le faire doucement, hein, histoire de faire pas en route. Super. Pensez toujours à quoi? À poser le talon en entier sur le step. Trois genoux. Super. On change. Encore, encore. Super. On va enchaîner ensemble ou pas? Le kick twist. Hey. Super, le jack, le kick, pas d'école, tu bloques, mambo, chasse. On reprend ensemble. Hey, twist, super. Ouais, j'ai plus rien. On court, on bloque, mambo, chasse. Hey, on y retourne. Hey, boum. Encore, encore, tu cours, tu bloques, hey, mambo, tu chasses, encore, encore, hey, boum, twist, super, hey, le kick, tu cours, hey, mambo, chasse, continue, je n'ai plus rien.
Stop. Hey. Tu twist, regardez celui-là. C'est pour voir si tout le monde était bien réveillé. Tu bouges. Tu bloques. Non, non, je passe. Hey. Alterné à l'intérieur, on travaille les deux pieds. Mais on le fait deux fois.
ensuite le second. On fait les micro-parties d'un côté et de l'autre. Ok? Oui ou pas? Super. Allez, genoux alternés. On récupère tout le monde. 4, 3, le kick, c'est parti. Kick, tu twist. Le tap, le kick, basic run. Tu bloques avec un beau squat. Hey, mambo, chasse. Ok, on reprend, on reprend. Kick, hey, le twist. Le kick, tu cours, tu cours. Tu bloques. Hey, mambo, chasse. Encore, tap up. Revenez, 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 revenez. Et oui, vous avez vu, je me suis trompée. Vous n'êtes pas gentil, vous l'avez vu. Et oui, donc pour éviter de nager encore sous l'eau, on va le reprendre ensemble, d'accord? De ce côté, le pied, go, boum, hey, twist, super, le jab, le kick, tu cours, tu bloques, mambo, mambo, tu chasses, ok, tu reprends encore, hey, yes! Hey, cours. Restez, restez. Yes. Mambo, tu chasses. Le numéro 2. Genou. Hey. Super. Hey. Courez, courez. On reprend. Tu cours deux fois. Deuxième fois pour faire le numéro 2 avec le chassé. Hey. Ok, tu chasses. Hey. Super. Tu cours. Et on repart. Est-ce que ça va mieux avec le cours? Vas-y, crâne. Top up. Ok. Aïe, 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 ça va ou pas? Super. On est tous ensemble, le numéro 1. 7 et 8, go. Kick. Hep. Tu twist. Tu jack. Le kick. Courez. Mambo. Encore une fois là. Kick. Tu montes, tu twist. Le jack. Hey, le kick. C'est très bien. Courez. Tu bloques. Mambo chasse. Le numéro 2 directement avec le chassé. Trois genoux. Tu chasses. Tu cours. Encore. Hey. Tu chasses, tu cours, une deuxième. Wouhou, tu cours, arrive-moi, hey. Encore, je ne vais pas. Stop-up. Vous aussi, vous vous êtes trompé. J'en suis sûr. Ok, puis un coup. On va la enchaîner. Juste une fois, deux. Avec une musique un tout petit peu plus rapide. Ok, buvez. Encore. Hey. Super, c'est très bien.
On n'oublie pas, on fait les abdos. Ok. Tout le monde prend rythme. Reviens-tu le cœur un peu, hein. J'aime bien. On y va au sol. 7 et 1, 2, kick. Hep. Le twist. Hep. Le kick, tu cours. Hep, ici, bloc. Maman chasse. La même chose une seconde fois. Hep, le kick. Hep, en haut. Tu descends. Le kick, tu cours. Tu bloques. Et on y retourne. Hey, tu cours. Le deuxième encore toujours. Hey, super encore. Tu chasses. Tu cours. Et ça pose. Ok, c'est bon pour tout le monde. On enchaîne tout ça. Deux fois sans pause. La musique ne marche pas comme on veut, ou alors le prof qui se trompe, hein.
Voilà, moi c'est ma grande spécialité. Mais je suis sûre que vous allez participer avec moi jusqu'au bout. Vous prenez votre bras devant vous et on étire tranquillement ses épaules. C'est déjà une première pour vous comme pour moi en direct aujourd'hui. Comme je vous disais pendant le cours, si jamais ça vous intéresse d'en avoir encore plus, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires directement sur ce post-là, sur le Facebook et l'Ancien France, ou sinon sur YouTube, elle sera disponible à partir de tout à l'heure, directement aussi. Allez, on emmène les bras derrière, et on tire, on tire, on tire, ok, et on relâche, super. On monte sur le step, bien habituel, si vous n'avez pas de step, vous restez bien sûr où vous étiez. On amène le talon vers le sol. Vous pouvez du coup mettre la pointe du pied contre un mur, tout simplement contre un rebord qui vous permet de surélever la pointe du pied et vous restez bien tendu. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de step. Ok ? Ensuite, vous attrapez cette même jambe que vous étiez à prendre d'étirer dans vos mains. On fixe un point. Voilà, normalement ça marche. Super. On relâche, on change de côté. Ok. On relâche. On descend tranquillement, on ouvre les jambes. Vers le bas, on enroule la tête. On tend bien les jambes. Et on déroule tranquillement. Super. N'hésitez pas à vous étirer davantage. Vous pouvez retrouver le cours de Jonathan de la semaine dernière, qui était un spécial étirement. Ok, on inspire, on souffle. Restez avec moi, donc je vous accompagne avec mes collègues toutes les semaines. Ok, demain vous allez retrouver Aline, demain mardi, d'accord, pendant la pause de midi et deux, pour un renforcement spécial bas du corps et vous retrouverez Jonathan en fin de semaine. N'oubliez pas que vous pouvez solliciter vos coachs pour ceux qui sont inscrits chez Elancia pour pouvoir avoir des programmes à la maison ou en extérieur. Tous nos lives sont disponibles sur le Facebook Elancia en replay et sur YouTube également, toujours en replay. Ok, c'est bien Elancia France. Tapez jamais le Elancia de votre commune ou dans lequel vous êtes. Vous allez directement sur Elancia France à chaque fois. Et ensuite également sur votre espace adhérent Elancia. Si vous manque quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous solliciter, responsables et coachs dans vos salles respectives. En attendant, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un cardio box. Au revoir.